guys awaiting arraignment. Where were the lifers? What do you mean, the lifers? I mean people sentenced for life. Bonsoir. Bonsoir. Je sais, je suis vraiment désolé, il est hyper tard, mais je viens juste relever votre compteur d'eau. Mais pourquoi venir à 3h du matin pour faire ça? J'ai eu une grosse galère avec mon camion, mais je vous promets, j'en ai que pour 5 minutes. Je suis obligé de faire mon travail. 5 minutes? Vous me laissez 5 minutes et je suis parti. Bon, allez rentrer. Oui. Je suis encore vraiment désolé d'être venu aussi tard. Hein. Ouais. J'espère que je vous ai pas dérangé. Bah un peu, il est quand même 3h du matin. Bon, j'imagine que t'es tout ce qu'il vous faut, donc si vous avez besoin, n'hésitez pas, moi je serai dans ça. Je sais pas si c'est moi, mais j'entends des bruits à côté. Hein. Ah, ça c'est mon fils, il dort toujours avec la télé. Il n'arrive pas à dormir sans, vous connaissez les jeunes maintenant. Et pourquoi vous me demandez ça? Hein? Non, c'était juste par curiosité, je voulais juste savoir. D'accord. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous interrompons ce programme pour vous annoncer qu'une évasion a eu lieu aujourd'hui à la prison de Trappes. Un criminel a échappé à la vigilance des gardes. Aux dernières nouvelles, cet homme porterait un bonnet orange, un maillot de foot, un jogging gris, ainsi que des claquettes Yeezy. On vient de m'annoncer à l'instant qu'on a une photo du criminel en fuite. Nous vous recommandons fortement de rester chez vous et de fermer vos portes à double tour. Et surtout, n'ouvrez la porte à personne. Fin de ce flash spécial. Mesdames et messieurs, nous interrompons à nouveau votre programme car nous venons d'avoir de nouvelles informations sur l'évasion de la prison. En effet, un deuxième prisonnier s'est échappé aujourd'hui. Veuillez rester très vigilant si vous l'apercevez car il a été incarcéré pour des crimes très graves et très violents. Nous avons aussi sa photo, la voici. Mesdames et messieurs, bonsoir.